Hello tout le monde. Coucou. Mercredi 2 août, 9h du matin. Comme promis, nous entamons notre voyage à vélo. Voyage à vélo qui va nous emmener de la région toulousaine jusqu'à la région dijonnaise, en Bourgogne, en Côte d'Or. Donc, comme on l'avait évoqué lors de notre précédente vidéo, un peu moins de 900 km et un peu moins de 10 000 mètres de dénivelé. Les conditions ce matin sont idéales. Vraiment, température, soleil, aucun nuage, assez peu de vent. On espère que ça va continuer comme ça. Oui. Toute la semaine, enfin, pendant les 10 jours, rien n'est moins sûr. Toujours est-il que voilà, bah écoutez, nous sommes prêts, nous sommes dans les starting blocks et on attaque notre première étape qui va nous emmener jusqu'à Monclar de Quercy, environ 95 km d'ici. Donc on y va ? On y va. Allez, c'est parti. Bon, pour l'instant nous sommes dans les faubourgs de Toulouse, donc encore un petit peu dans la verdure. Mais là on se rapproche du centre-ville, donc ça va être un peu plus compliqué pour filmer. Nous avons rendez-vous sur le pont de Blagnac à 10h30 avec un abonné de la chaîne, notre ami Jean-Pierre, qui va faire un petit bout de chemin avec nous et qui fera demi-tour par la suite. Allez, on continue. C'est immense en plus, hein. Mais oui, elle a ramé. Je pensais pas que c'était aussi grand. On pensait pas. Ouais. Oui. Oui, donc nous arrivons au lac de la Ramée, bien connu des Toulousains. Un joli lieu de villégiature avec plusieurs lacs. Des points pour pique-niquer, pour marcher, pour courir, pour passer en vélo. Alors aussi étonnant que cela puisse paraître, nous ne sommes jamais venus ici. On en a souvent parlé, mais très joli coin. On ne voyait pas ça aussi grand, aussi beau, aussi calme. Bon, regarde, il est 9h30 du matin. Hein. Bien sûr que en repassant l'après-midi, ça doit être un peu plus fourni. Merci. Les chemins de gravel, ça commence bien. On n'y aura pas tant que ça, hein, puisque notre parcours sera essentiellement sur les routes, les petites routes. Il y a assez peu de portions off-road. J'en ai prévu quelques-unes, mais c'est pas l'objectif. Donc on voilà sur un joli sentier qui longe le Touche, la rivière Le Touche. Un coin très agréable qui permet d'éviter bien évidemment des routes qui sont toujours assez surchargées autour de Toulouse, même si à cette période elles le sont un peu moins. Merci. Voilà, donc là nous passons le petit pont de bois, très bucolique. Très agréable. Bon, malgré ça, le chemin reste très roulant, hormis quelques racines, on est plutôt pas mal. Il y avait une sacrée rigole à passer là. Oui, ça rigolait pas. Non, j'ai pas. Dans la rigole. Allez,
Ah bah ça commence bien ce voyage à vélo, non? Bah oui. Hein? C'est la deuxième fois qu'on... Ah bah c'est plus de temps à le pousser qu'à pédaler. Ah oui. Ah oui. Oh. Ah oui, ah oui. Allez, mon âge. Ah oui, mais y a, c'est bon, il y a un passage pour pousser les vélos. Attention, prendre l'élan de parculer, hein. Allez. Nous traversons Blagnac, juste à côté des pistes de l'aéroport. Les voies cyclables sont super bien entretenues. C'est agréable, sécurisant. Ça m'a rappelé le calage du lit, c'est notre parcours. Donc j'ai 15 jours, j'ai mis. J'ai mis quoi 40 minutes, tranquillou. Je suis arrivé là vers 10h10 par là. Bon, on vient enfin de récupérer. Notre copain Jean-Pierre, on va pouvoir maintenant tracer un petit peu après que le GPS nous ait promené à plusieurs reprises. Là, donc on passe au-dessus de la Garonne, tranquille, il fait toujours aussi beau, pas trop de vent, donc tout va bien. Voilà le long du canal latéral à la Garonne. C'est le canal qui va de Toulouse à vers Bordeaux. Merci. Bon là maintenant on est sûr qu'il n'y a plus de voiture. On ne sait pas pour combien de temps mais... C'est bon. Bon, on s'est sorti du bordel de Toulouse. Comme je le disais, le GPS nous a vraiment promenés. On a visité un peu Blagnac, les arrière-cours. Bon, ça y est, là, on est à nouveau sur la bonne voie. Bon, ça y est, on est enfin sorti. De Toulouse et de sa périphérie. Ça n'a pas été simple. Pas mal de circulation, des pistes cyclables dans un état déplorable, c'est honteux. Et maintenant ça devrait rouler sans aucun problème. Alors c'est vrai que tu plonges un tout petit peu, mais bon. Après c'est tes sensations, est-ce que tu... Ah là je sais que ça... Là tu vois quand je suis assise et que je suis... Là je viens... m'appuyer juste en fait sur l'os là ici au niveau du pubis juste là quoi. Est-ce que tu plonges un peu? Non. Donc là nous sommes dans la commune de Gratentour. Il est 12h et nous allons casser une petite croûte après combien de kilomètres? 60 55 km. Allez, à tout à l'heure. Bon, voici le château de Gratentour ou Gratintour. Je sais pas comment ça se prononce. On se posait la question. Mais bref, peu importe. Très joli château. Alors, on vient de sortir de Cépet et on va en direction de Villemur-sur-Tarn. Les températures commencent à bien monter là, bon, on est à 35 mais bon c'est largement supportable pour l'instant. 60e kilomètre.
On vient de ravitailler en eau à Gargas. On était à sec, quasiment à sec. Allez, c'est reparti. 65e kilomètre. Allez, 70 km. On arrive pas très loin de Villemur-sur-Tarn. On a un vent un petit peu favorable, ce qui n'est pas désagréable. C'est mise en place de la gapette. La gapette, parce que le soleil tape. Ma gapette. Ma gapette. Ma gapette. Nous voilà dans les vignes du Frontenay. On n'est pas bien là. Alors, nous voici arrivés à Villemur-sur-Tarn. Très sympa. Ah voilà, l'hôtel de ville de Villemur-sur-Tarn qui sonne également les heures. Bizarre ça, hein? Pourquoi? Eh ben, que l'hôtel de ville qui sonne les heures. Bon. Là, on est sur les 20 derniers kilomètres du parcours et c'est là que sont concentrées les difficultés de dénivelé positif sur les 20-25 derniers kilomètres avec quelques petites côtes comme celle-ci. Bon, bah, on monte ça tranquillement. Hein. Il n'y a pas une grosse activité dans le village. Beaucoup de volets fermés, de maisons abandonnées. 85 km. Encore une petite quinzaine. Bon, ben, le principe, c'est de monter au-dessus de cette colline. Presque 90 km. Pour l'instant, tout va bien. Bon, on vient de se taper une petite bosse là, à la sortie de Varennes. Elle nous a bien lessivé celle-là. Alors, en plus, il n'y a pas d'ombre. Pas d'ombre. Et quand le vent il souffle pas, c'est mortel. Ouais. C'est mortel. Et plus d'eau. Pratiquement plus d'eau. Moi, il me reste une gourde sur trois. Malgré qu'on les ait remplies il y a
pas très longtemps, mais je vois énormément. Enfin, c'est bien. Parce que ça évite les crampes. Ok. Donc Montclar 7 km et notre gîte est 3-4 km après Montclar, donc ça va faire environ 10-13 km encore avant l'arrivée. Ah, ça envoie du bois. Hein. Ouais. Nous sommes à Montclar de Clercy. Donc on est pratiquement arrivé à destination. Et juste pour le fun là. La peinture rose que vous avez là sur le rond-point, c'est ce qui a été positionné la semaine dernière pour le passage du Tour de France féminin, puisqu'elles sont passées à Montclar de Quercy. Et comme on a vu les étapes à la télévision, on a vu que à chaque fois qu'il y avait un obstacle, il y avait cette peinture rose pour informer les cyclistes de faire très attention. Voilà, c'est juste pour l'anecdote. Et nous voilà arrivés. Oh! Viens, on va descendre du vélo. Viens, on va descendre du vélo. T'as pas l'habitude de voir des vélos? Si, si, madame. Alors on vous présente saucisses et saucissons. Bonjour la famille. Oh là là, mais vous êtes jolie.